Et salut tout le monde, ici Logan 7218. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la découverte de Metal Gear Rising Revengeance. Alors un jeu quand même attendu par pas mal de personnes, hein. Moi je l'attendais quand même un petit peu. J'attendais quand même plus Crisis, mais j'ai pas dit non plus que celui-là je l'attendais pas, alors voilà. C'est quand même un jeu quand même assez attendu. Alors cette vidéo sera à la fois en même temps proposée à la Play Geek TV et au Bon Plan du Geek. Peut-être aussi à des autres chaînes communautaires, on verra. Alors pour ceux qui tiennent à savoir, alors je compte dire 2-3 détails. Alors je suis en train, enfin là je vais pas mal, enfin je vais bientôt faire un let's play sur Crisis 3, comme j'ai fait aussi la découverte. Je suis en train aussi bien sûr de faire les épisodes de let's play de Dead Space 3, qu'on va pas mal, enfin je pense qu'on a bientôt fini là, on a déjà fait au moins 6 à 7 épisodes. Il y a vraiment pas mal de choses qui vont arriver sur ma chaîne, pas mal de choses intéressantes. Alors ce jeu a été édité par Konami, alors développé par Platinum Games, type action, sorti en France le 21 février 2013. Alors vous avez pu le voir que j'ai pas mal de jeux à l'avance. Après ça dépend quand vous, parce que, quand vous allez voir ces vidéos, mais moi c'est vrai que je l'ai pas mal à l'avance quand même. You can jump over obstacles, but the ninja run will get you across them more quickly and easily. Faut savoir que j'ai mis le son en anglais, parce que j'avais envie, j'aime bien l'anglais, alors... Alors, comme je vois, dès qu'on commence, il faut obligatoirement faire une vieille... un vieux machin, là. Enfin, il faut faire une machin. Merde, un didacticiel, je veux dire. Alors. Ah, cool. Ah, ça, c'est bien, ça. Putain. Joli, hein. You can also attack while in motion with a ninja run, you know. Swinging your blade while dashing. OK, c'est bon, je me le fais. Or striking your foes with a sliding attack. Intéressant. Ouah. Arrêtez de me faire chier. Lol, il se la déchire avant même d'avoir commencé, tu sais. Mais non, ça m'a l'air d'être un jeu pas mal. Bon, on a un vieux didacticiel pour commencer, mais c'est pour nous habituer un peu quand même aux touches. Pour ceux qui n'ont pas pu tester la démo ou quelque chose comme ça, alors je pense que... Bah c'est bien, je trouve quand même qu'il y a un didacticiel. J'espère que cette vidéo vous plaira, même s'il n'y aura pas trop d'action. Ouf, ouf, comment je lui fais mal, oh là là. Ouh, joli. Attaque légère, maintenir mode karma. Ok. Ouh, joli. Comment on fait comment on se met en garde? C'est quoi le mec? Ah ok. Non, j'ai cru qu'il le mec il dormait là. Ah, ah ouais. Se protéger est aussi très important. Bah c'est sûr, mais bon justement je cherche la touche. Comment ça? Ah ok. C'est ça une parade. Ouh, je l'ai violé là. Il saoule à parler. Tu vas arrêter de parler, tu vas me donner des mecs à buter, hein. From your perspective, it will appear as if the enemy is frozen in time, or at least moving very slowly. This is the perfect opportunity for you to carefully aim your strike, then slice your foe apart. Keep in mind, even you will not be able to parry every type of attack. Watch your foe's movements carefully. Bon, je pense aussi faire une heure de détente sur Metal Gear. Comme je, enfin, je pense pas que je vais faire un let's play. Non, je pense pas. Comme je vais pas faire de let's play, je vais faire une heure de détente sur le jeu. Comme ça, bah voilà, comme ça, ça comblera un peu le peu de vidéos qu'il y aura sur ce jeu. Même s'il est bien, je compte pas faire non plus trop de vidéos. Ça sera vraiment Crisis, Dead Space, tous ces jeux-là qui me prendront le plus de temps. Alors, je ferai des vidéos sûrement sur Metal, mais bon, pas la masse, je pense. Je ferai quand même une vidéo de détente pour ceux, bien sûr,
qui l'attendent et qui trouvent ce jeu super. Comme d'habitude. Cinematech. Oh merde. Ah mais on peut passer la cinématique. On va la passer un peu parce que sinon après au final il n'y aura pas de combat que je montrerai dans cette vidéo. Tiens, mange. Tiens. C'est comme ça, hein, je... Moi j'aime bien, c'est le... Moi ce que j'aime bien dans Metal, c'est que regardez, on peut péter vraiment la voiture, mais quand on la pète quoi. Et ça j'aime bien, moi, c'est qu'on peut carrément détruire tout le décor. Ça je trouve que c'est un très gros avantage sur, sur Metal. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Par là, ok, on fonce. T'aimes ça, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Quoi? Tiens, t'es juste là! Mange! Tiens, comment je leur fais mal? C'est bizarre, c'est qu'on dirait qu'il vient à l'infini. Dégage. Ah. Ouais, ils sont tous détruits. Faire quoi maintenant? Laissez-moi partir! Venez m'aider! Pas pour décevoir, mais je comprends pas du tout, il faut faire quoi là? Attendez. Faut que je regarde par où je dois partir, parce que là, il n'y a pas trop de logique. What are you doing, Ryder? Get to that limo. Mais quelle limousine? Ah, ok. Ouais, enfin, quel con. Fallait tout simplement couper la grille. Merde. Je suis bête, hein, moi. Vous avez vu ça? Oh! Oh! Joli! C'est des... Vraiment, c'est... ça, c'est des robots, hein, ça se voit. Ça fait mal. Ouf. So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What?
Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer. Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Pas dans la merde, moi. Faut le casser? Ouais. Faut détruire ses jambes. Viens, je te détruis tes jambes. Ah, bon, on peut taper ça aussi. Et où on voit sa vie? Ah, en bas, ok. 94%. Merde, j'ai raté. Ah non, c'est bon. Merde! J'ai chier. Il y a un seul! T'aimes ça, hein? Ouh, je le fais mal. Je vais péter une jambe. Ah non, presque. Allez, viens. Ah, de bouger. Tu fais chier. Ah, il saoule. Ouais. Putain, je te fais mal. Waouh. Il y a des petits lags des fois de temps en temps. Je pars sous le côté. Allez. Tiens. Je vais te détruire. Allez. Putain. Wow, la force. Allez. On se le fait. Fallait pas me faire chier. Mais c'est quoi un peu quand même, hein? Mais j'ai réussi ma mission. Ouais. Ça. C'est moi. Bon, on va vers la mission et je pense qu'on va déjà se quitter. Je dois aller où? Enfin, je dois faire comment pour y aller? Ah, peut-être par là. Ouais, ok. Intéressant.
On va le rattraper. Use your ninja van to move over obstacles automatically. Mec, il m'attend. Je te rattraperai. Ah merde. Allez, je cours, je pète, je vole. Ah ouais. Bon ben mes amis, je pense qu'on va se quitter avant de le détruire tout simplement. Alors on va faire un petit pause parce que ça risque d'être dur. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de la partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas de vous abonner, que ce soit sur mes abonnés ou enfin pas mes abonnés ou sinon ils ne devraient pas s'abonner, mais les gens qui verront cette vidéo sur ma chaîne ou alors tout simplement des chaînes communautaires s'ils la prennent. Je tiens à remercier les chaînes communautaires s'ils la prennent et aux abonnés, enfin aux gens qui s'abonnent venant des chaînes extérieures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, peut-être des prochains épisodes de Let's Play sur des prochains jeux, peut-être des découvertes et des tests, et peut-être aussi des 1 heure de détente, que ce soit sur ces jeux, sur ce jeu ou des autres jeux, on verra tout ça de toute façon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez bien soin de vous mes amis, on se retrouve pour une prochaine aventure, salut tout le monde.